Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Mes soleils d'amour, vous savez que dans la communauté soleil, un peu comme partout dans le monde et dans la vie, on ne fait jamais l'unanimité. Il y a toujours ceux-là qui viennent en commentaire dire, Laetitia, chaque jour tu as le même drap, tu n'as pas honte, oh, le même drap jaune tous les jours, oh. Malgré que j'ai pratiquement 6 à 7 paires de draps différents, il y en a qui voient toujours le même drap sur mon lit. Du coup, j'ai décidé de faire quelque chose. Ça fait longtemps que je ne me suis pas procuré de nouveaux draps. J'ai donc décidé d'aller quelque part où je vais souvent quand j'ai besoin de décorer ma maison intérieurement ou extérieurement afin de faire des achats. Oui, mes soleils d'amour, pour ceux qui l'ont compris, Christie Belle Déco vend de jolis draps comme ça. Donc, je suis allée chez Christie Belle Déco prendre ça. Des jolis draps comme ça avec des taies d'oreiller. Il y a aussi des housses de couette, mes soleils d'amour, comme vous pouvez voir en image. C'est chez Christie Belle Déco. Vous avez tous les contacts. Vous appelez, on vient vous livrer sur place ou vous vous déplacez pour la boutique. Je vous conseille de vous déplacer pour la boutique parce que là-bas, ce qui est sûr, c'est que vous verrez encore deux, trois petites choses qui vous plairont et tout. Donc, j'ai fait ces achats chez Christie Belle Déco et je vous assure que c'est hyper confortable. C'est très beau. Ça a donné une autre couleur à ma chambre et moi, je suis très contente. Du coup, quand B va se coucher dessus, il ne va plus dire, Laetitia, quand je dormais la nuit, tu as fait ci, tu as fait ça. Mes soleils d'amour, pour ceux qui ne connaissent pas la localisation des boutiques de Christie Belle Déco, je vais vous rappeler. Christie Belle Déco a deux boutiques pour le moment au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. À Douala, c'est à Bepanda, juste avant, juste entre le stade Omnisport et Camtep. Voilà. À Yaoundé, c'est à l'entrée du marché Coléton, à Batalonkakh. Voilà. Vous allez voir Christie Belle Déco, une plaque bien jaune, bleue. C'est très beau. En fait, vous allez voir. Et si vous ne voyez pas, vous vous renseignez. Parce que celui qui a la bouche ne peut pas se perdre. Voilà. Mes soleils d'amour. Ok. Passons aux choses vraiment, 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 vraiment sérieuses. Il est temps de donner la liste des 5 vainqueurs du jeu concours et soleil du mois de juin. Vous avez regardé ensemble avec nous toutes les vidéos de participation au jeu que les soleils ont envoyées. Vous avez certainement donné vos impressions depuis votre maison, depuis votre téléphone et tout. Nous aussi, on a regardé et voilà, on a finalement choisi les 5 vainqueurs. Donc, je prends mon cahier et on y va. Mes soleils d'amour. Voilà les résultats. 5 gagnants. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, c'est chaud. On fait un peu comme dans les émissions des blancs là. Tadam, tadam, tadam. Bon, mes soleils d'amour. Je vais vous rappeler pourquoi on a eu 5 gagnants ce mois-ci. On a eu 5 gagnants parce que, en principe, la famille Soleil offre trois lots, un marché du mois, celui-là qui est le soleil du mois, et deux lots de 25 000 francs en espèces que vous recevez directement dans votre téléphone. La famille Soleil offre trois lots à la fin de chaque mois. Je vous détaille ça bien. Donc, à la fin de chaque mois, nous mettons à disposition des soleils 100 000 francs. Donc, 50 000 francs pour le panier d'un soleil. À la fin du mois, je vais au marché avec un soleil. On dépense une somme de 50 000 francs pour fournir son panier et le soleil rentre à la maison avec. Ensuite, il y a deux lots de 25 000 francs qu'on envoie à chaque soleil dans son téléphone. Donc, ce mois-ci, il y a deux autres soleils de la diaspora qui ont décidé d'entrer dans la danse. Oui, nous allons tous distribuer des rayons de soleil dans la communauté soleil. Elles ont décidé d'apporter deux paniers à deux soleils. Voilà, et moi je suis très contente et je suis reconnaissante. Donc je dis merci une fois de plus à mes soleils d'amour. Il y a une dame. Bon, attendez. Je vous donne tous les détails. Hein. Tous les détails. Ok, on y va. Voilà. Je vous envoie, je vous lis son message qu'elle m'envoie. Ça, c'est la première dame qui décide d'entrer dans notre danse. Bonjour ma belle, je suis un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux enfants défavorisés et aux femmes victimes de violences conjugales au Cameroun.
J'aime beaucoup ton sac de la ménagère du mois et je voulais en offrir par moment à tes soleils. Question de faire connaître mon association. Tu peux aller voir sur Facebook Okavi Découverte de l'Afrique. Okavi Découverte de l'Afrique. Si tu es intéressé, on pourra en discuter profondément. Merci et bonne journée. Voilà, je n'ai même pas essayé de débattre longtemps. Hein. J'ai juste dit ok, merci beaucoup déjà pour l'initiative. Et je suis allée sur Facebook, j'ai regardé Okavi Découverte de l'Afrique. J'ai vu que oui, la page était effective. Et voilà, je suis retournée sur WhatsApp. Lui dit oui, je suis d'accord. Je t'envoie le numéro de William pour les finalités. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je lui dis merci une fois de plus. Et je vous prie, mes soleils d'amour, de dire aussi merci à notre tantine, à notre maman là-bas qui a décidé de nous distribuer des rayons de soleil. Et je vous invite massivement, mes soleils d'amour, à aller vous abonner sur sa page Facebook. Vous avez bien compris le but de l'association. C'est pour, excusez-moi, voilà, pour venir en aide aux enfants défavorisés. Et lutter contre, voilà, lutter contre, et aussi, voilà, venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Donc, mes soleils d'amour, priez d'aller vous abonner sur cette page-là. Oui, abonnez-vous pour l'encourager à nous offrir encore plus de paniers, pour l'encourager à nous venir en aide comme l'association l'indique. Donc, voilà la page pour vous abonner. Alors, mes soleils d'amour, on passe à la deuxième dame qui m'a contactée afin d'offrir un autre panier. Voilà. Elle s'appelle Martine. Un peu comme Martine Roxane, ce sont les bonbons. Martine Congo, merci beaucoup ma tantine, ma grande soeur, ma maman chérie. Merci pour les rayons de soleil que tu as décidé de distribuer dans la communauté soleil. Merci beaucoup. Alors mes soleils d'amour, s'il faut résumer, ce que je peux vous dire, c'est que au mois de juin, nous avons eu 200 000 francs. Bon, une cagnotte de 200 000 francs, c'est-à-dire 150 000 francs pour 3 marchés du mois. Alors, je suis trop contente quand je l'ai dit. Donc, on y va au marché avec 3 soleils pour remplir 3 paniers. Et ensuite, 50 000 francs à raison de 25 000 francs en dépôt pour chaque soleil. 2 soleils. Voilà, c'est ça. C'est un peu, c'est ça. Donc, pour le marché du mois de juin, j'irai avec 3 personnes. Et on va remplir nos paniers. Voilà. Mes soleils d'amour, il est l'heure de dire des vérités. Il est l'heure de donner la liste des gagnants. Donc, je ne sais pas s'il faut commencer par le cinquième et puis arriver au premier ou s'il faut commencer par le premier. Je crois qu'il faut commencer par le cinquième. C'est comme ça qu'on fait souvent dans les élections de Miss là. Oui. Donc, mes soleils d'amour, on va y aller. Mes soleils d'amour, on va commencer par la cinquième gagnante. Oui, parce que c'est une fille. Elle s'appelle Donna Samantha. On regarde la vidéo. As-tu pensé à ce que tu as dit la dernière fois? Mais ça ne va pas. Vous osez me faire le coup en plein hôpital. Moi, mon petit ami a juste à venger l'amour. Vous avez un cœur de pierre. Mais ça avait ce même cœur pour prétendre les vies. Une femme aussi belle que toi, pour transformer la prière la plus dure du monde en fleurs. Voilà mes soleils d'amour, c'était la cinquième gagnante. Je vais vous dire ce qui m'a marqué dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est leur sérieux parce que nous avons reçu beaucoup de vidéos, pratiquement 120 vidéos comme ça. Il y avait beaucoup de personnes qui jouaient en riant et ce n'était pas beau, c'était pas bien. Donc, premièrement, c'est leur sérieux. Et le fait qu'ils aient respecté les paroles, oui, parce qu'il y en a qui ont rajouté des paroles, qui ont changé des mots, ils ont respecté les paroles et ils étaient sérieux. Alors, Donna Samantha, ce que tu dois faire présentement, c'est d'écrire à William Senyou sur sa page Facebook, William Senyou, avec ton profil qui a gagné, oui. Donna Samantha, tu écris, tu te présentes, tu donnes ton numéro de téléphone et j'allais oublier, tu fais une petite vidéo ma chérie pour remercier tous ceux qui ont gagné, pour donner tes impressions, pour dire comment tu te sens après avoir gagné et tout et tout et tout et tout et tout. Et tu recevras ton dépôt de 25 000 francs dans ton téléphone directement. Donc quand tu envoies ton numéro, n'oublie surtout pas de donner le nom
qui va s'afficher quand on va vouloir faire le dépôt. C'est très important. Donc voilà. Et comme j'ai dit, on attend ta vidéo. Merci d'avoir participé, hein, et félicitations d'avoir gagné. Voilà, bisous, bisous. Mes soleils d'amour, on passe au quatrième gagnant. Laissez-moi regarder ça. C'est une fille, une fois de plus. Elle s'appelle Nigan Michel. Voilà, on va regarder la vidéo de Nigan Michel. Laetitia, as-tu pensé à ce que je t'ai dit la dernière fois? Mais ça ne va pas. Vous avez même fait la cour en plein hôpital alors que mon petit ami est allongé là mourant. Vous avez un cœur de pierre. Et c'est avec ce même cœur que vous prétendez l'aimer. Une femme aussi belle que toi peut transformer la pierre la plus dure du monde en fleur. Alors, mes soeurs d'amour, j'aime cette vidéo parce que ils sont sérieux, oui. Parce que en fait, le truc, c'est que c'est une scène où il faut être sérieux. Très sérieux. Il faut même être en colère, énervé. Voilà, les filles surtout. Et la maman et la fille, elles ont très bien joué. Elles étaient très sérieuses. Et elles étaient dans le truc. Elles n'étaient pas là à attendre que la caméra vienne sur elles pour qu'elles jouent. Elles étaient très sérieuses et elles ont... Ils ont, en fait, avec le garçon, ils ont bien interprété le truc. J'ai apprécié. Alors, Nigan Michel, ce que tu dois faire, ma chérie Coco, c'est que tu écris avec ton profil qui a gagné, Nigan Michel, sur le Facebook de William Senou, pour lui dire, voilà, je suis Nigan Michel, j'ai gagné et tout. Tu fais une petite vidéo dans laquelle tu remercies tous ceux qui ont participé au jeu concours avec toi. Et tu nous dis comment tu te sens après avoir gagné. Tu envoies cette vidéo dans le WhatsApp de William. Mm-hmm. Et ensuite, tu envoies le numéro sur lequel on devra faire ton dépôt de 25 000 francs. Oui. Et tu n'oublies surtout pas de donner le nom qui va apparaître quand on va vouloir faire le dépôt. C'est très important. Donc, une fois de plus, merci d'avoir participé et félicitations d'avoir gagné. Bisous, bisous. Mouais. Alors, mes soleils d'amour, on continue. On est dans le trio gagnant maintenant. Le top 3. Alors, la troisième gagnante, parce que c'est toujours une fille, s'appelle tout simplement Elsa Chamba. Mmh. On regarde la vidéo. As-tu pensé à ce que je te dis la dernière fois? Mais ça ne va pas. Vous osez me faire la cour en plein hôpital alors que mon petit ami est juste allongé là mourant. Vous avez un cœur de pierre. C'est avec ce même cœur que vous prétendez l'aimer. Une femme aussi belle que toi peut transformer la pierre la plus dure du monde en fleur. Alors, mes soleils d'amour, j'apprécie le jeu d'acteur. C'est simple, c'est sérieux. En principe, moi, je voulais le sérieux dans cette affaire-ci. C'est sérieux. L'expression du visage, en fait, ils ont donné ce que je voulais. C'est vrai que le garçon n'a pas respecté les temps de parole, mais c'était clean. Ils n'ont pas bégayé, ils n'ont pas titubé. C'était propre et voilà, j'ai apprécié. Alors, Elsa Chamba, tu viens en troisième position et tu es donc le premier soleil à être sûr d'avoir remporté son panier du marché. Donc voilà, à ta disposition, 50 000 francs. Oui, on ira au marché et tu auras 50 000 francs pour faire ton marché. Félicitations d'avoir gagné. Félicitations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comme les autres. Hein. Tu écris à William Senou avec ton profil qui a gagné, Elsa Chamba. Oui. Je suis Elsa Chamba, j'ai gagné, j'ai été élue à la troisième position, je suis contente et tout. Maintenant, tu fais la vidéo où tu remercies les autres qui ont participé, tu nous dis comment tu te sens après avoir gagné et tu l'envoies dans le WhatsApp de William Senou, oui, et tu nous envoies le numéro également pour te contacter, oui. Tu envoies le numéro pour te contacter afin de régler tous les détails, de caler le jour auquel on ira au marché et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, mes soleils d'amour, on continue. Voilà. Ouh, ça ne fait que monter. Deuxième position. Il s'appelle tout simplement BTL Lamborghini. Enfin, un garçon. BTL Lamborghini, c'est son nom sur Facebook. On regarde la vidéo. Laetitia, as-tu pensé à ce que tu dis la dernière fois? Mais ça ne va pas. Vous osez me faire la cour en plein hôpital alors que mon petit ami est juste allongé là mourant. Vous avez un cœur de pierre. Et ça veut ce même cœur que vous prétendez l'aimer. Une femme aussi belle que toi peut transformer la pierre la plus dure du monde en fleur.
En fait, ce qui m'a le plus marqué dans cette vidéo, c'est le jeu de BTL Lamborghini, en fait. C'est son jeu, en fait, du garçon. Hein. C'est son jeu qui m'a marqué. Il était dans le truc. À aucun moment, tu n'as l'impression que voilà, il sait qu'il a la caméra sur lui et qu'on est en train de le filmer, en train de faire quelque chose. Il est dans le truc et moi, ça me plaît. Il est sérieux. Et c'est vrai que je n'ai pas eu la possibilité de voir l'expression faciale complète de celle qui joue Laetitia, mais tout était sérieux. Les autres ont vraiment assuré et j'ai apprécié. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais. Donc, félicitations d'avoir gagné et merci d'abord d'avoir participé. Donc, ce qu'on va faire, comme les autres BTL Lamborghini, tu écris avec ton profil BTL Lamborghini à William Senyou sur Facebook. Tu lui dis, voilà, je suis BTL Lamborghini, j'ai remporté, je suis sorti deuxième. Et tu fais une petite vidéo dans laquelle tu dis merci à tous ceux qui ont participé. Et tu dis comment est-ce que tu te sens après avoir gagné. Tu envoies dans le WhatsApp de William Senyou. Et tu envoies également le numéro par lequel nous pourrons te joindre pour organiser notre rencontre afin d'aller au marché, acheter, remplir nos paniers. Donc, c'est ce qu'il faut faire là maintenant. Mes soleils d'amour, il est temps de dévoiler notre gagnant. Ceux-là même qui nous ont fait vibrer quand on a regardé leur vidéo. Ceux-là qui ont décroché la première place. Ceux-là qui sont vraiment sur le podium. Il s'agit simplement de Christelle Docache. Christelle Docache, tu as remporté ce challenge. On regarde ta vidéo. Laetitia, as-tu pensé à ce que tu as dit la dernière fois? Mais ça ne va pas. J'ose me faire la peau en plein hôpital alors que mon petit ami est allongé à moi. Vous avez ce même cœur que vous prétendez. Oh, vous belle que pas. En fait, mes soleils d'amour, ce qui nous a séduit, moi particulièrement, ce qui m'a séduit dans cette vidéo, c'est la douceur avec laquelle ces enfants ont joué. Ils sont là, si doux, si tendres. Ils ont bien mémorisé le texte. Ils le parlent, ils le disent aussi facilement et aisément. Donc, ils n'ont pas titubé. Ils ne rient pas du tout. Ils sont calmes, très posés. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Un peu de coaching et vraiment, ces enfants peuvent jouer à Nollywood. Sincèrement, moi, j'ai apprécié. Et voilà, c'était notre coup de cœur, c'est mon coup de cœur à moi. C'est pourquoi ils ont remporté la toute première position. Donc voilà, Christelle Docache, tu sais ce que tu dois faire. Tu écris à William Senyou sur son Facebook avec ton profil qui a gagné, Christelle Docache. Salut Papa Soleil, salut Monsieur William Senyou, je suis Christelle Docache, j'ai gagné. Et voilà, je suis contente et tout. Maintenant, tu envoies une vidéo sur son WhatsApp. Une vidéo dans laquelle tu nous dis tout ce que tu ressens là actuellement. Et tu dis merci aussi aux autres participants qui ont accompagné et meublé ce jeu. Et tu envoies le numéro par lequel nous devons te joindre pour pouvoir aller tous ensemble au marché. Donc, mes soleils d'amour, c'était les résultats du jeu concours du mois de juin. Je dis une fois de plus merci et félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et je suis désolée pour ceux qui n'ont pas gagné, mais je leur dis quand même merci d'avoir participé. Alors, je vais vous dire mes soleils d'amour, il y a plusieurs personnes qui ont été disqualifiées lors de la lecture des vidéos à cause de plusieurs critères qu'ils n'ont pas respectés. Vous savez, mes soleils d'amour, ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais on ne cessera de le dire. Il y a des gens qui écoutent sans comprendre, qui entendent sans vraiment écouter. On a fait la vidéo pour annoncer le jeu concours. On a posé des limites. On a dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui n'ont pas respecté ce qu'on a demandé. Et ces gens ont été, pour la plupart, disqualifiés. Et pour d'autres, non choisi. Donc, mes soleils d'amour, il s'agissait de quoi? Il ne fallait pas faire sa vidéo où il y a de la musique en fond et tout derrière là, où il y a des bruits. Il fallait faire sa vidéo dans un calme, mais vraiment très calme, très posé, très serein.
Et voilà, il fallait respecter les expressions faciales qu'on voyait dans le jeu. Et il fallait surtout donner les paroles, les mots qui étaient dits dans le petit extrait. Il y a des gens qui ont changé les mots, qui ont rajouté des choses, qui ont mis les effets sur leur voix, dans la vidéo et tout. C'est pourquoi vous n'avez pas été élu. Il fallait le faire aussi simplement que ça. Donc, mes soleils d'amour, merci une fois de plus d'avoir participé. Et voilà, merci, merci vraiment. Je ne cesserai de vous dire merci. Je profite pour dire à tous mes autres soleils qui voudraient donner des rayons de soleil, distribuer, partager des rayons de soleil dans la communauté soleil. N'hésitez surtout pas à offrir des cagnottes aux autres soleils, ça nous fera toujours plaisir. Et j'invite aussi mes autres soleils à nous soutenir. Soutenons-nous entre nous. Soutenons-nous. Allons nous abonner à la page de notre association à but non lucratif. C'est très important. Encourageons-la à nous soutenir comme ça chaque fin du mois. Mes soleils d'amour, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous vous portez très bien. Et gardez surtout la soleil attitude. Hein. Ne vous découragez surtout pas dans la vie. Gardez la soleil et la William attitude. Je vous aime gros comme ça. Bisous, bisous. Mouais.